quelqu'un qui arrive. Allez, on se met en position, les gars. Les gars, tout le monde se met en position. Position, position. Partir le cheval. Allez, on fait. Moi, quoi. Hop. Hop, 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 descends. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Descends ta gueule, descends. Quoi? T'es qui, toi? Comment ça, attendez, les gars, je crois qu'on est tombé sur des grosses couilles. Ramenez dans la cave, les gars, ramenez dans la cave, occupez-vous de lui, les gars. Allez, ramenez dans la cave. Attends, qui l'a mis? Non. Je te parle, là. Va dans la cave. Comment ça, quoi? T'as pas peur ou quoi, là? Les gars, attendez, parlez doucement, il comprend pas. Ah mais je crois qu'il a pas peur. Déjà enlève ton masque. C'est pas question d'avoir peur. Les gars, essaie de parler tranquillement. Arrêtez de dire il a pas peur. Enlève ton masque. Je peux pas vous mettre le temps. On va te déligoter. Enlève ton masque. Rentrez dans la grotte là. Rentrez pas ça ici là. On fait ça ici ensemble. Tu le remenottes ou pas? Est-ce que tu le remenottes? C'est qui les mecs qui arrivent? Ils sont avec toi? Ramenez-le dans la cave. Ramenez-le dans la cave, les gars, lui, là, vas-y. Tonton B, sortez de votre canasson. Dans la cave, j'en veux deux qui te surveillent. Viens. Avant. Bata, c'est qui? Monte. Monte en haut, tout de suite. Enlève ton masque, là. Enlève ton masque, t'es dit là. Allô? Montez, ah bah c'est bon. Eh, il y en a un deuxième, il a fui, il a fui. Venez, on va le retrouver. Ouais, bah remontez, ça a un resté en bas. Ricardo, viens, on remonte. Qu'est-ce que tu fous avec ces gens-là, là, putain, là? Ok. Bah, mets ton masque, reste avec nous. C'est Charles. Mets ton masque, Charles. Et il est où l'autre qu'on a attrapé? Faut lui parler. Il est là, devant moi. Explique-lui, les gars, que la viande de cœur, c'est fini, les gars. Mais attends, là, pourquoi tu sors ton arme, toi? Pour les civils, t'as compris. Bon, toi, allez, maintenant, vas-y, sors. Attends, j'entends rien, mec. Sors. T'entends rien, quoi, t'as dit? Va à gauche. À gauche et tout droit. C'est qui, lui? Le qui vient d'arriver, ça, non? Bon, tu travailles avec qui? Non, mais vous l'avez. Arrête-toi là! Je viens ici comme ça! Tu viens ici tout seul? Tu viens ici tout seul, à un endroit comme ça? Ouais, viens, on va à la cachette. Je venais me renseigner pour savoir s'il était là, l'acheteur. Ah, tu venais te renseigner, et du coup, il est là ou pas? C'est ça. Bah, du coup, j'en sais rien parce que vous m'avez pas laissé rentrer, du coup. Et t'es qui, toi? Tu fais quoi dans la vie? Du coup, je fais de l'opium. Tu fais de l'opium? Tout seul? C'est ça. C'est ça, tout seul. Tu te fous de ma gueule? Avec qui? Travaille avec qui? Je vous garantis que je le fais tout seul. Tu le fais pour qui? Je le fais à personne si je vais vendre moi-même. Et tu viens vendre comme ça, tout seul avec tes grosses couilles, c'est ça? Mais ah, justement, t'as rien à foutre là, tout seul. Tu te rends pas compte de ce que tu fais ou quoi? Comment t'as trouvé ce putain de point ici, dis-moi? Attendez. Il s'appelle Josh. Ouvre la bouche, j'ai nos points pour un con. Ouvre la bouche. Écoute-moi bien. Prochaine hésitation, prochain truc, je te promets que je tire. T'as compris? Okay. Tout ce que t'as, là, appelle ton canasson tout de suite. Appelle. Il est juste là, son canasson. Appelle-le. Il est juste là. Donne les clés au gars en bleu pour qu'il fouille dedans tout de suite. Attends, y a pas besoin. Si, y a besoin. Ah, je te dis qu'il y a pas besoin. C'est bon, tu arrives. Bon, maintenant. Tu te rends pas compte là ce que tu fais tout seul là. Maintenant, regarde, tu vas parler sérieusement parce que je te jure, sinon on te dépouille de tout. T'as compris ou pas? Alors que c'est pas notre but. Oui. C'est pas notre but, on en a rien à foutre. Pas de soucis. Ouais. Non, on veut juste que dans cette putain de ville, il y a un gros problème. Les gens, ils viennent tout seuls à des endroits comme ça. T'as l'impression, ils sont en train de cueillir des putains de fleurs. Je te rejoins là-dessus. Ok. Donc maintenant, tu vas nous dire avec qui tu travailles. Je travaille avec personne. J'ai juste quelqu'un qui m'a donné les infos sur ces points. Qui t'a donné les infos? Il s'appelle Josh Decker. Hein? Josh Decker. Tu peux le contacter ou pas, ce Josh Decker? Bah non, parce qu'en fait, il a été arrêté. Enfin, maintenant, il travaille au Il y en a combien, Tommy? Dis-moi là. J'arrive pas à fouiller sur putain de Il y en a combien sur toi? Dis-moi, il y en a combien dans ton canasson là? J'ai que des feuilles. Parce qu'en fait, de base, j'avais installé un feu de camp ce matin. Enfin, ce matin, en fin d'après-midi. Je l'avais installé juste là. Mais putain, en plus, tu fous des feux de camp devant la droite. Je voulais pas faire ça. T'as mal ou t'as pas mal là? Il t'a mis une balle quand même. Je l'ai pas prise. Ah, ok. Ne vous inquiétez pas les gars, si je lui mets c'est dans la tête. Moi je t'explique.
T'as combien de feuilles là? J'ai j'en ai un peu plus. Bon, moi je vais les vendre du coup. Ah non, mon cheval il est loin. Putain. Attends, mais y'a un problème ici là. Tout le temps je bug ici là. Mais on est d'accord, chat, que c'est pas normal qu'il y en a qui viennent farm tout seul un point comme ça là. Non? On parle de drogue quand même. Y'a des grosses organisations, y'a des gros trucs, y'en a, ils viennent solo, wesh. C'est pas normal ça. Oui et non en vrai. Vous en pensez quoi, vous? Vous en pensez quoi, vous, le chat? Merci, Bulit. Bulit G, merci à toi, mon ref, pour le prime, bienvenue. En solo, comme ça Barrez-vous, 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 barrez-vous. Il y a du barrez-vous à qui? Eh, viens, 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 toi, là, lève les mains. Lève les mains. Eh, toi, lève les mains. Eh. Lève les mains, monte là-haut. Eh oh, monte là-haut. Monte là-haut. Bon, s'il m'entend pas, je le bute, hein. Tu m'entends ou pas? Allô? Allez, monte là-haut. Tout de suite. Je vous attends pas. Ça sent la merde. Ça sent la merde. Tu m'entends pas? Monte là-haut, ah, je te dis. Monte là-haut, t'as dit, monte là-haut. Regarde, il t'a parlé une fois là, monte. Montez tout de suite. Allez, allez. Il lui a juste dit de monter, Ça sert à rien de lui parler mal, ça sert à rien. Monte, tout simplement. Monte là. Putain, mon cheval il a un problème. Bon, c'est pas grave, on partira avec 200$. C'est pas grave. On a vu quelqu'un à pied, si je ne m'abuse, et quelqu'un en canasson. C'est lui. Allez, vas-y. Montez. Y'a des mecs là-bas qui nous surveillent, chat, on est d'accord, hein. Y'a des mecs qui nous surveillent. Eh, on est surveillés. Tu fais attention, on est surveillés. Oui, y'a des gens à la rivière, non? Ouais. Ouais. C'est le mec qui nous... Reste pas tout seul en bas. Ouais, t'inquiète, vas-y, viens. Le fils qui dit au daron, reste pas tout seul. C'est là, c'est un quoi. Mais oui, j'ai des jumelles. Putain, j'ai oublié les jumelles. Ah ouais, même avec les jumelles, je vois personne. Si, ils sont en bas, mais côté route. Ouais, je pense que y a des gens après. Ah non, il y a des gens. Oui, ils m'ont fait reculer. Ils m'ont dit dégage ou t'es mort. J'ai traversé, ils étaient 4 ou 5. Et après, peut-être il y avait du monde derrière. Oh, Wuldi qui offre un sub, Omega. Merci à toi, mon ref, Wuldi. Wuldi, putain, je t'ai appelé Wuldi. Eh, il n'y a pas encore de MF Wuldi là. Je suis déçu. Je suis déçu qu'il n'y a pas encore de MF Mulji là. Ah là là. Là, ils essayent de. Je retire dessus. Non, j'ai pas envie de tirer. Je le butais là. Non, si je tire à côté, ils vont se dire et on nous a tiré dessus. Tire au-dessus. Les gars, il y en a 4 qui essayent de venir en mode accroupi là, je les vois arriver. Ils sont en bas. Faut appeler les autres. Vas-y. Faut appeler tout le monde. On est tous là, je crois. Y'a des gens, les frangins. Mais tu. Ah, vous les voyez là. C'est qui lui? C'est qui toi?
Oh voilà. Descends de ton putain de canasson. Descends là. Ton putain de canasson. Lui. Descends. Descends, t'as dit. Première sommation. Mais pourquoi il parle pas, putain. Allez, monte là-haut. Monte là-haut. En fait, là, il y a un... Là, là... Non, j'ai pas envie de tirer. J'aime bien le RP. Ça va, Midji? Ouais, ouais. Ça va. J'espère que tu te régales. Ouais, moi, je me régale. Il y a 3-4 personnes en bas, là, armées. 3-4 personnes armées, ou ça? Ouais, ouais. En bas, là-bas, là. Eux, par contre, ils cherchent la bagarre. Hein. J'ai pas besoin de tirer. Ils nous visaient. Ils veulent la bagarre, je crois, ouais. On peut... Putain de commando, les gars. Non, ils sont 4. J'ai pas envie de tirer. J'ai pas envie de... C'est pas parce qu'on est en free access qu'il faut tirer bêtement, les gars. J'aime bien... Faut le dialogue. Tout le temps, le dialogue. D'accord. Bande de l'opium, tu crois que c'est comme ça, la vie? En fait, s'il vous plaît, tout à l'heure, j'étais là. J'ai eu un... Non mais là faut les papas et tout là, dites-leur de tous remonter là, ils sont tous trop en bas là, c'est chiant là. Alors attends. Et les gens ils nous voient de loin là. Ouais, ah, attends, attends. C'est sur mon cheval si vous voulez jouer. Va leur dire là de remonter tous là, parce que moi ils m'écoutent pas. On a perdu la fuite. Regardez ma souris, elle se met à gauche. Faut qu'on reste là, on est trop grillés là-bas, faut qu'on reste par ici. Ouais, mais il y en a plein qui ont pris la fuite, il y en a un qui était attaché. Non mais que toi Alice, tu restes au-dessus et que tu guettes, d'accord, mais pas tous. Non mais les gars, le truc aussi, c'est qu'on pas s'enfermer ici, les gars. Déjà ? C'est ça, commencer. Attends. Bah, pas s'enfermer, on est en sécurité ici, même enfermé, au moins là on a un bon point de vue quand même. Après, j'ai été testé le haut de serbe, nous on passe inaperçu. Avant que les gens ils arrivent à vous, ils arriveront à nous bien avant et nous on est en avance. Papa, et ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il y a un guetteur tout au-dessus, que nous on soit planqués dans les hautes herbes et que ça fasse un genre de chaîne, tu vois. Mais faut pas que tu cries trop fort, Alice, sinon eux aussi ils vont t'entendre et ils vont partir. C'est ça. Hein. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'il y ait un guetteur là au-dessus. Et dès qu'il passe. C'est chaud, chat. Vous avez fait comment, vous, chat, à notre place? En fait, moi je veux pas le gunfight, je veux parler. Si ça doit gunfight, ça va gunfight, mais. Ça me guettait, tu fumes. Oh, c'est quoi, c'est des chevaux là-bas? Il fait quoi sur son cheval? C'est qui, lui, là-bas? Les gars, juste au-dessus là-bas là. Tu le vois? Au-dessus là-bas. Ouais, je le vois là, je le vois sur son cheval. Il est avec nous? Non, y'a personne avec nous là-bas. Ok. En face de toi, son cheval marron. À cette époque, ça parlait pas beaucoup, ouais, mais ça reste du RP, moi je veux pas. Là-bas, bande de merde là. Non, vous pensez pas, chat? Ça reste du RP, hein, on est pas là pour Rafale. Hein. Fout dans la grotte. On peut pas monter dessus en fait. Putain, j'ai bien envie de récupérer mon cheval pour tout vendre là. Allez, descends ton chevaux. Allez, descends. C'est ce que je veux. Descends ton chevaux. Descends, t'as dit. Descends. Genre, je suis là complètement par hasard. Attends, tu peux le ramener. Mais je cherche mes amis qui étaient là tout à l'heure. Allez, ferme-la, monte. Ferme-la. Canasson, fais fuir ton canasson avant, là. Vite. Pas. Ouais, dis-moi. Tiens, je sais pas si t'as la place, par contre. Pourquoi? Allez, tiens, par contre. Tiens, on va aller se cacher, nous. Je monte. Ouais, dis-moi. Par contre, il faut pas rester là, c'est trop cramé. Ouais, je sais. Mais voilà. Les gars, tu vas où? On va aller se cacher dans les herbes. Les gars, de toute façon, il y a un groupe qui sait qu'on est là, hein, quoi qu'il arrive. Hein, donc. Ouais, par contre, papa, je te laisse expliquer le plan aux autres. Hein. Pas de problème. J'ai rien compris au plan. Vas-y, j'explique le plan. Tiens, c'est ma sœur? Ouais.
Non, non, elle est moche. C'est... On va dire que c'est on l'a trouvée dans une poubelle. Ok. Okay. Bon, on va dire c'est ma copine, alors elle a aucun lien de famille. Ouais, voilà, elle aime bien m'appeler papa, mais vas-y. Ah, ok. D'accord. Oui. Non, c'est pas organisé, dommage. Frérot, on est 10, c'est la première fois qu'on fait j'ai ça. J'ai l'attaquant sur toi, toi. C'est du RP Red Dead, y'a pas de radio, c'est chaud, les gars. Hein. Tout en fusil à gibier, tu prends. On n'est pas là pour te voler tes armes, on s'en bat les couilles. Bah, si c'est de l'opium que vous cherchez, j'en ai pas. Allez, dégage. C'est pas forcément de l'opium, c'est aussi vous prévenir. C'est fini l'opium facilement, comme ça. On s'en fout de ce que vous avez sur vous. Et donnez bien la foi à vos camarades, hein. C'est fini ici. J'aime bien, si vous faites partie d'une organisation qui a un arrangement avec les grands, peut-être que vous serez ici, mais sinon, vous ne resterez jamais là. Et vous n'avez rien à foutre ici. Vous vous appelez comment? On s'appelle pas, on s'appelle vous prévient, pas, c'est, tout. Va, c'est tout. Ok. Allez, va. Au revoir. Alors, cours. Vous connaissez un Charles? Moulji. Ouais, Charles, ouais. Ah, ok. Non, c'est Moulji, dis-moi. Ouais, dis-moi. Ça serait marrant aussi de le laisser repartir comme ça en courant et. Toi et moi, on a notre arc qui est le premier qu'il tire. Non, mais non, ça a rien. Ah ouais, mais il serait pas mal ce petit jeu, c'est un Ouais. Mais quoi, c'est quoi on va le buter, le pauvre, pour rien. C'est quoi le jeu? Ouais, mais je suis sûr que je l'aurai avant toi d'entrée, tu vois. Mais moi, regarde, moi, au lieu de rester là, j'aimerais bien choper les 4 qui campent en bas là. Au lieu de rester ici, là, il y en a 4 qui nous campent en bas et qui attendent en fait. Ah ouais? Ouais, je te le dis. Moi, ce que je propose. Allez, on y va, let's go. Moi, ce que. Attendez, j'ai un plan. Ouais. Attendez, j'ai un plan, les gars. Ce que je propose, c'est qu'on fait genre on part tous. Ils vont monter voir ce qu'il y a ou quoi, hein, et on revient. On fait genre on part tous d'un coup, ça y est, on a changé d'idée, on bouge. Regardez, ce que les autres groupes font, c'est qu'ils restent là-haut et dès qu'il y en a un qui monte, ils braquent. Ouais, mais le problème, moi je pense, c'est que là, les gens, ils ont passé le mot. Même ils sont arrivés à la ville d'à côté, ils ont dit ouais, faites attention, allez pas là-bas, il y a des gens. Nanana. C'est très bien comment c'est un monde de suceurs un peu. Donc ça là, ils vont tous attendre qu'on est là. Ils doivent tous être en bas comme le frangin il dit là, à surveiller ce qu'on fait. Venez, on fait genre tous, on se barre, on fait un effet de meute, on se barre, on attend 5 minutes, on revient. Je suis sûr qu'ils seront montés. Ouais, t'as raison, allez, on fait ça. Vas-y, allez. Personne dans la grotte, attends, les frangins, y'a personne dans la grotte à nous là. Je pense vraiment pas. Hein. Bah non, mais y'a pas de je pense, faut être sûr, faut aller voir. Et je vais aller voir. Vas-y. Ah, parce qu'à rester là, on est en train, comme il dit, de s'enfermer, on perd des occasions là. C'est ce que je te dis, mais de rester enfermé encore, tu vois, j'ai pas peur, mais on perd des occasions là, comme tu dis. Ouais. Non, on va prendre des occasions, on va leur rentrer. C'est pas comme ça la vie. Voir son gosse traîner dans le quartier. A chaque fois que je suis ici, ma souris elle passe à gauche. Attends, mais Destiny, mais je m'en bats les couilles de Destiny là. Epic Games tout le temps ils envoient des messages. On fait genre on part. C'est bon, y'a plus personne, c'est bon. Allez, on prend notre canasson et on se casse. Les gars, ils montent du monde, non? Les gars, on prend nos canassons et rendez-vous. Attends, les gars, là je te chuchote. Mais on va crier, tout le monde crie là. On fait bien exprès de crier fort pour bien qu'ils nous entendent autour. Attends, on dit qu'on va à l'autre bout du monde, tu vois. Il manque du monde là, c'est ça que je comprends pas. Il manque beaucoup de monde là par contre. Il manque Alice, il manque Carlos, il manque Ricardo. Ils sont cachés quelque part par là-bas. Ils sont dans les buissons, ouais. Après, ils sont cachés dans les buissons. Mais... nous on va pas les trouver là. Oh, sortez de vos cachettes, on se casse! On se casse, c'est fini, fin de mission. Allez, on se casse, fin de mission. Ils sont verrous? Je sais pas parce que. On se casse. Attends, ça tombe bien parce que je vais réussir à ramener mon chevau. Attends, mais là, c'est quelle arme que j'ai? Oh putain, mais sérieux? Oh, ça monte pas mon eau là. Ça monte ou pas? Ah, si, ça monte. Et la bouffe? Ah, vu qu'il est costaud, il lui faut plein de trucs. Merci, j'ai cassé des culs, merci à toi mon ref. Mais vas-y, mais putain. Tu casses les couilles avec ton blaze. J'adore ce que tu fais, merci Anthony mon ref. Oh.
t'abuses. Ah, c'est de ma faute. Ah, c'est de ma faute. Ah bon. Il a un blast totalement pas halal, mais c'est de ma faute. Ils sont où? Tu vois, il est là le problème dans le groupe. Il est là le problème. Je sais pas où ils sont. Ils sont barrés. Ils sont où? Ouais, y'a pas de soucis, mais voilà. Non, moi je dis. C'est eux que je voyais de loin depuis tout à l'heure, c'est eux. C'est eux? Comment ça, c'est eux? Non mais. Ah, ferme ta gueule, arrête pas, de faire l'innocent. C'est qu'ils nous espionnaient pas, donc allez, ils sont vraiment allez, notre gueule. Arrête de faire l'innocent, nous prends pas pour des cons, putain. Non, je viens de revenir d'un problème, non mais. Et il a eu un problème de tête, il s'est évanoui, papa, y'a pas de problème, c'est un simple poisson. Bah oui, non, regardez, y'a ses potes qui arrivent au loin, je crois. J'ai même pas encore équipé toutes mes armes. Y'a des gens qui ont la preuve. Eh, venez ici! Eh, venez ici! Les gars, y'a du monde. Les gars, y'a du monde, y'a du monde, les gars. Je crois que ça va être mon dernier jour. Les gars, allez. Je crois qu'on en est plus là, Zef. C'est les shérifs, là. Je sais pas. Oh non, mais dis pas. Bouge pas, toi, bouge pas. C'est quoi, t'as appelé qui? Bouge pas. Mais non, je vais l'arriver, je vous le dis. Arrête les armes, range les armes, y'a les shérifs, on range les armes. Mais comment j'aurais fait? Je suis braqué. Toutes les armes rangées, c'est les shérifs. C'est bon. Comment j'aurais fait? Ouais, y'a pas de soucis. Comment j'aurais fait pour. On enlève aussi. Vous êtes masqués, messieurs. Bon, allez, on se calme, on écoute les shérifs. Bonjour, monsieur, comment je plonge? Ah, voilà, exactement. Déjà enlever les masques, s'il vous plaît. Enlevez les masques les gars, tout le monde enlève les masques, également. Allez, on a rien à cacher nous les gars, allez. On a rien à cacher. On a entendu une personne, un nombre de personnes qui braquaient apparemment sur la route. Non, vous inquiétez pas monsieur, l'histoire c'est pas ça. C'était chaud. Hein. Moi j'ai une question, pourquoi non, on a notre agent avec vous là-bas là. Pardon. Ok, très bien. Est-ce que notre agent est libre de ses mouvements? Oui, bien sûr. Bien sûr, il est libre de ses mouvements. Ils ont braqué. On l'a pas braqué, on l'a rien braqué du tout. Ah, certes. Ça braque des agents de l'ordre. Attendez, il s'est pas présenté comme shérif, faut pas commencer à abuser. Exactement. Ah, bah c'est normal, c'est un ES Marshall. Ah, bah nous on n'en sait rien. Bah, ni en Marshall. Il s'est pas présenté comme Marshall non plus. Bon, enfin. Mais il s'est pas présenté donc vous le braquez quand même. Ah, bah ouais, on l'a pas braqué. On l'a certes visé, on l'a certes pointé du revolver, mais on l'a pas braqué, on lui a rien pris du tout, quoi que ce soit. Oui. Bah c'est pas ce qu'il dit. On l'a braqué mais on l'a pas braqué. Bon écoutez monsieur, écoutez monsieur, vaut mieux que ça se passe tranquillement, ok. On l'a pointé avec une arme mais on l'a pas braqué. On cherche pas la merde. On l'a niqué sa mère mais on l'a pas blessé. On cherche justement à savoir. Ah bah je viens de vous expliquer votre collègue là, c'est moi, on va dire que c'est moi, allez. Ok, suis-moi, on va parler directement. Tu calmes, on parle. Ah non, mais je me calme pas, tu tournes autour de moi. Vous êtes stressé, monsieur. Mais juste s'il te plaît, Joel, tu fais pas autant. C'est bon, Tommy. Je t'ai juste demandé de pas tourner autour de moi. Tommy, calme-toi, Tommy. Vas-y, dis-leur. C'était un effet de groupe et que t'étais un. Ouais. Ouais, vas-y, après. C'est quoi, y'a quoi là? C'est quoi le problème? Non, c'est parce que le monsieur il aime bien hausser le ton, mais que quand vous êtes là. Non, j'ai rien dit, j'ai juste demandé qu'est-ce que tu tournes autour de moi, c'est tout. Je m'en fais peur avec ton canasson. Oh, camarade, je te demande de te calmer là, s'il te plaît, tu parles en marche. Y'a rien. Ouais, mais je parle calmement, je Non, y'a des paroles que tu n'as pas utilisées. Y'a rien, faut pas te s'énerver. On est pas là pour s'énerver, c'est bon. Quelle parole, j'ai manqué de respect à quelqu'un, mon ami. On s'écarte, s'il vous plaît, monsieur. Mets-toi. On aurait dû aller en gunfight en vrai, non, Chasque? On aurait dû aller en gunfight, hein. Qu'est-ce que t'as? Le monsieur est clair dans le dos. Monsieur, ouais. Forme, s'il vous plaît, votre masque, monsieur. Là, on est le bandana, là. Ça serait bien d'écouter un peu. Monsieur, le petit monsieur. Un avertissement, votre arme dans le dos et le bandana. Non, encore moins, rangez-le. Monsieur. Attendez. Dernier avertissement. Peut-être qu'il vous entend pas, attendez. Rangez l'arme. Marshall McMillan. Retournez auprès de vos collègues. McMillan, t'es où? Rangez l'arme. McMillan. De toute façon, Marshall, c'est chaud, ils sont chauds les matchs. Ils sont bien équipés en termes de cheval, en termes d'armes, les gars. Derrière vous, monsieur McMillan. Les gars, en termes de cheval et en termes d'armes. Hello. Hello. Ouais, mais laisse tomber. Rangez-les.
Il capte même pas. Pourquoi? C'est une mauvaise idée de faire le saut, ranger les armes dans le dos. Non mais... Ouais, ah là là, il casse un peu les couilles. Il me voit pas, bon, c'est vrai, arrêtez de viser, ça sert à rien en fait. Ouais, c'est bon, vous comprenez pas que les trois quarts ne nous entendent pas. Les gars, rangez tous vos armes, les gars, s'il vous plaît, rangez tous vos armes et vos masques, d'accord? Voilà. Bah, c'est des marchands, c'est des marchands. Ça marche beaucoup mieux quand vous êtes coopératifs. J'ai envie de tirer, hein. J'ai envie de tirer, les gars. J'ai envie de tirer de ouf, hein. J'ai trop envie que ça parte en couille. Ça serait tellement stylé. Voilà, monsieur les shérifs et les marchands, maintenant qu'on a rangé tous nos armes. Ils sont trop. Et ils ont noaché avec eux. Moi, je tire pas, il y a noaché, les gars. Merci. Les gars, ils jouent à Tarkov tous les jours, 26h sur 24, wesh. Le revolver, monsieur. Ah, pardon. C'est bon, l'ami, c'est bon, t'as pas besoin de braquer, range ton arme. Vous pouvez parler sans braquer, hein, on n'est pas... Ouais, bah, c'est 50 monsieur, fois qu'on vous explique de ranger les armes, qu'est-ce que vous faites, vous le tenez, dans la main, l'arme, c'est le pire. Vous m'avez dit quoi? Allez, regroupez-vous un peu et arrêtez de galoper partout, là. De quoi? Regroupez-vous. Ouais. Vous voyez, ouais, ça fait deux personnes qui vous disent la chose, vous n'écoutez pas. Vous êtes tendu un peu, non? Regroupez-vous, pas de vous mettre derrière moi, bordel de merde. Monsieur, juste écoutez votre ami. Viens. On tape la tête, viens. Ils sont tendus, ceux-là. On va discuter tranquillement, les gars, tranquille. On va discuter tranquillement avec eux. Je crois qu'on peut pas discuter tranquillement avec eux, ils sont tendus. Ouais, tranquillement, les gars, arrêtez de bouger, viens là. Attendez, c'est le frangin, il a du tact. Mon frangin, il va s'en faire qu'une bouchée, je vous le dis. Eh ouais, une, pas deux. On peut en sortir, j'ai besoin, je reprends mon arme. Retournez avec vos amis, monsieur. Retournez avec vos amis, monsieur. Les gars, venez, putain de merde. C'est un moine qui coûte gentiment, faites comme. Voilà, monsieur les shérifs et les marshals, on est bon? On est tout bon, patientez un petit instant, il y a un d'entre vous qui parle avec l'un d'entre nous derrière. Ah, il n'y a pas de soucis, je peux discuter. On aurait dû tirer en vrai. Il parle un peu au calme parce que sinon on s'entend pas. Je pense qu'on aurait gagné la bagarre. C'est passé quoi? Vous les avez croisés? Vous vous arrêtez? Qu'est-ce qu'ils nous veulent, ceux-là? On a des cheveux avec la lanterne, s'il vous plaît, devant. Oh, c'est le mien, pardon. On aurait gagné avec l'effet de surprise. Attends, Lily. Ouais, je vous remercie. Merci. C'est fou, c'était même pas mal de fait. Il m'a dit fait demi-tour. Faut focus noaché, exactement. Focus sur Noachi. Je vais le tuer, voilà, Marshall, demain. Non, arrête, pardon, tu vas tuer personne, malheureux. Hein? À qui t'as dit de penser, toi? Aussi, si je peux faire une remarque, est-ce que vous pouvez obliger vos Marshall à porter le racing, s'il vous plaît? Parce que nous, on peut pas savoir que c'est des Marshall, sinon. Oui, et tu pourras obliger à ton ami à pas dire que tu vas buter un Marshall? Qui a dit ça? Mais il faut que tu dises quelque chose. Les gars, personne parle avec eux, d'accord? Il y a Butcher qui parle avec eux. On s'en bat les couilles, d'accord? On parle pas avec eux. Mais c'est juste que s'il a pas d'assigne, comment c'est que c'est un Marshall? On s'en bat les couilles. Il a des insignes, il faut juste regarder un peu la ceinture, monsieur. Non, votre copain n'en a pas, c'est cette yeux. Regarde ta ceinture, toi. Un Marshall, ça peut être en civil. Alors, messieurs, je vais juste prendre deux personnes au hasard. Hein. Le petit ici, par exemple. Oui. Et puis, la personne énervée, vous aussi également. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît. Oui. Qui c'est la personne énervée, là? C'est toi. Ici, avec le torse nu. Ah, moi? Ah, non, je suis pas énervé. Oui. Non, pas énervé. Pas lui. Ok, vous pouvez me suivre. Il est calme depuis tout à l'heure. Je vous suis d'accord, moi, bien l'ami. Oui, il n'y a pas de souci. Ouais. Pas tout le monde, s'il vous plaît. Alors, juste deux personnes. Comme ça, alors, il y a le directeur des marshals et la personne en bleu là-bas qui discute tout à l'heure. Ouais, y a pas de alors, soucis, on a entendu que c'était à peu près un malentendu, hein, même si c'est pas présenté en tant que S-Marshal. Ouais, on m'a donné juste l'ordre. Tu vas rien faire du tout, lui. Voilà, on m'a donné juste l'ordre de contrôler deux personnes d'entre vous. Monsieur Engrand, vous pouvez retourner là-bas. Je vais contrôler ces deux personnes-là. Et puis ils seront. Tu vas contrôler ces personnes-là. Je vais buter ce marché. Contrôler ces personnes-là. Un contrôle d'identité. Le problème, monsieur, c'est que je n'ai pas de pièce d'identité. Ok, mais on va en discuter. Vous pouvez retourner là-bas, monsieur. Comme ça, c'est un contrôle totalement au hasard, c'est ça? Fouillé, mais... Oui, attendez, je personne. Pas, venez, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer pour quelle raison. Ouais. Alors, donc, vous avez eu un marshal avec vous? Ah bah, il parle à nous. Ouais, mais c'est pas présent en tant que marshal, c'est ça? Oui, mais non, je comprends. Vous comprenez? Nous, on voit des hommes masqués. En tant qu'US marshal, normalement, on est censé vous contrôler tous un par un. Ouais, sauf qu'on va pas faire chier
Non, sauf que monsieur, non, sauf qu'on n'est pas agressif et qu'on aurait voulu, on aurait voulu être agressif. Non, mais attendez. Parce qu'au bout d'un moment, monsieur, attends, putain, laisse-moi parler. Au bout d'un moment, monsieur, on n'est pas deux ou trois, vous comprenez? Donc on aurait voulu faire les grosses couilles, on aurait fait les grosses couilles. Oui, mais vous avez perdu de jouer les grosses couilles, c'est un peu. Ouais, voilà. Donc moi, je suis très intelligent, je suis pas un enfant. Donc là, je discute avec vous, mais j'ai l'impression que notre coopérance. Vous comprenez ce que je veux dire? Il a raison que la coopérance, ça sert à rien là. Je comprends pas en fait quelle est la différence entre le fait de vous shooter de loin et d'être dans la coopérance en fait. Si vous avez fait ça, messieurs, c'est juste inutile pour là, ce qu'on est en train de vous dire, je ne savais pas. Non, mais on sait qu'on est intelligent, c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Vous savez pas. Le Marshall, regarde, je vais t'expliquer moi, l'ami. Ton Marshall, enfin votre Marshall, je vais vous voyez par respect. Oui. Votre Marshall, on l'a pris pour un vendeur de putain d'opium, tu comprends? Oui. Voilà, il s'est en aucun cas revendiqué Marshall, d'accord? Il ne l'aurait pas laissé on direct. L'a fouillé, d'accord? Il avait un putain de revolver et un putain de fusil sur lui, j'aurais voulu lui prendre, je lui aurais pris. J'ai rien pris du tout. On lui a dit qu'il pouvait partir. Ok. Voilà, c'est tout simple. Tu sais que, voilà, vous savez vous trouvez où ici? Dans une putain de vente de un putain d'endroit. On était dans la coopérance. On n'a rien à foutre ici tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà, c'est vous comprenez aussi que ça paraît suspect de vous voir tous ici, proches tous masqués et armés également, et proches du lieu également. Vous voulez savoir si on a de l'opium sur nous? On a zéro opium sur vous. Bah justement, c'est pour ça que je veux juste procéder à un contrôle. Non, fouillez-moi. Ah, j'ai dit on fouille deux personnes, on va voir s'il y a rien. Mais c'est bon, le premier, je l'ai fouillé déjà. Fouillez-moi pour commencer. Tout est bon. Et puis vous également. Voilà, fouillez. Non, mais c'est bon. Ok, c'est bon. Non, pas besoin. Non, pas besoin de fouiller tout le monde. Vous fouillez tout le monde, monsieur. Non, mais tranquille. Oui, mais vous n'allez pas me donner d'ordre. Arriver jusque là, ça sert à rien, c'est bon. Ok. Non, que vous sachiez. Mais bon, on a été dans la coopérance. Sachez, on n'est pas vos ennemis, monsieur le marshal, c'est tout. Oui, on a bien point. On n'est pas vos ennemis. Et vous dites vous êtes. Non, on est une bonne de famille. Non, on est une famille. La famille comment? Qu'est-ce qui se passe là? La famille comment? On n'a pas de nom, monsieur. La famille Keftatson, si vous voulez. La famille Keftatson. Ok, ouais, merci. On a une grande famille, la famille Keftatson. Ok, super. Après, n'oubliez pas une chose, messieurs, c'est que vous voulez. Voilà, vous avez rien à vous reprocher, etc., etc. Ou contrôler justement, vous évitez que les gens aillent. C'est ça. Là où, à l'endroit indiqué. Sauf que n'oubliez pas, vous n'êtes pas des hommes de loi. Non, mais madame. Donc, bien sûr. Vous braquez des personnes, ça va vous retomber dessus. Madame, c'est pas qu'on est hommes de loi, mais il y a un truc qui nous casse les couilles dans ce putain de pays. C'est que tu demandes à n'importe quel connard qui est là depuis 24 heures, le mec, il se rend direct à des endroits comme ça. Vous comprenez? Oui. Et ça commence à nous les briser. Imaginons maintenant la personne que vous avez braquée avait de l'opium sur vous, c'est pas un Marshall. Nous, si on vous voit vous faire ça, on est des hommes de loi, vous. Bah oui, je comprends. Vous savez que vous avez pris en otage une personne, même s'il vend de l'opium. Bien sûr, vous inquiétez pas. Vous dites qu'on n'est pas coopérant, tout ça, mais. Si, on n'a jamais dit coopératif. Ça. Coopératif. Non, coopérance. Coopérance, c'est mieux. Bon, d'accord, coopérance. Bon, parfait, bon, moi, vous laissez, monsieur. Voilà, nous, on n'a rien contre votre boulot, vous faites votre boulot, hein, chacun son boulot, vous voyez. Oui, exactement. Y a pas de soucis. S'il n'y aurait pas de shérif en ville, ce serait l'anarchie, les gars. Et puis, ça peut arriver souvent, hein, si vous traînez gars, souvent ici, quand vous croisez un contrôle. Les gars, le mec qui nique l'ambiance. Ah, bien sûr. Ouais. Ah, il dit, en gros, ça veut dire que tu suces les shérifs. Hein. Ouais, exactement, les gars. Ah, alors, moi, il n'y a pas grand chose à sucer. On va trouver. Après, si vous voulez sucer mon canon, il n'y a pas de souci. Un canon. Si vous proposez ça, moi je suis ouvert à plusieurs. Non. Je parlais de celui-là, Ok. On va s'arrêter là pour l'instant, on s'est pas présenté, je pense. Putain, bête, je savais pas que t'étais comme ça. C'est très bien, Tommy, j'ai toujours du bon côté de la braguette, moi, Tommy, putain. Attention à ce que tu penses, mec. T'es ouf. Bon, allez, messieurs, on va pas vous dire en vous souhaitant une bonne soirée. Bonne soirée à vous et bonne fortune. Ah, je suis mort. En vrai, ça s'est bien passé, y'a pas eu de coups, les shérifs, ils ont bien joué. C'est n'importe quoi. Ça va. C'est pire ça. Bon, les gars, on va décaler, les gars. Ils font leur taf, les gars. Ouais.
Vous allez bien les gars, sinon c'est bon. Ouais, ouais, tout va bien. Ouais, allez. Il y a quelqu'un qui a été nommé, attendez, il y a quelqu'un qui a été nommé. Bonne journée, il a été dénigoté. Bonne journée, bon courage. Dans tous les cas, c'est même ici. Il a merci à vous. Oui, j'ai vu qu'une y aller. Bah non, ça va bien jouer. Il est là-bas. Ça a pas tiré. Mais c'était votre ami avec le pancho. Ils l'ont pris en train de parler avec eux. C'est incroyable, frère. Et au fiston. Quoi ? Ça va, fiston ? Tiens, avec toi. Oui. Ça va, tu commences c'est à grandir. C'est moi, fiston. Ouais, merci. Oui. Ouais, merci. Merci, toi, papa. Merci, papa. Vas-y, bouge-toi, toi. C'est notre papa. Bouge-toi. T'as pas que t'es en trop, là. Je comprends pas. Putain, j'en ai des gosses. Ah, ça va, papa. Tu nous as marqué. Ah, papa, c'est pas de la longue pause, là. Non. C'est quand comment, papa ? On a faim, messieurs, dames. Et ils sont mes 50 dollars. Allez, ah ouais, courage, 50 dollars. Monsieur, dame, monsieur, monsieur le directeur, je vous laisse vous arranger avec eux. Hein ? Pardon ? Ouais. Je dis bon courage à vous. Hein ? Eh, bon courage, monsieur le papa, tu te souviens ce que tu as prévu aussi ? Eh, je sais pas, on va se revoir. On se voit tranquille, parce que... Allez, on va se revoir, s'il vous plaît. J'ai tellement pas envie d'appeler mon cheval. Je l'appelle. Des morceaux de chef qui sont assis. Du coup, on mangera. Carlos, j'ai faim. Bah, du coup, on va tous au saloon, là, c'est ça ? On va tous à la guinguette, malheureusement. À la guinguette, c'est moi. On va tuer personne. Shérif, Marshall, on est là. Les gars, on est de mission. Les gars. C'est quoi la mission ? C'est quoi la mission, papa ? Attends, viens. Mission. Attendez, parlez doucement. Les gars, faut trouver les O'Brien. Les quoi ? C'est qui, eux ? C'est des trous du cul qui ont traîné mon fils et Bob. Faut les trouver. Oh là là. Ils ressemblent à quoi ? Ils résident. Bob, ils ressemblent à quoi, Bob ? Il est là. Tu parles, Bob, Bob, il est là. Il est là. Quelqu'un peut expliquer ce qu'il a dit là, Bob ? J'ai rien compris. Une belle bête. Alors, déjà, il a dit il avait des cheveux blancs. Bienvenue. C'est tout ? Voilà. Je crois que c'est tout. Attendez, peut-être qu'on peut essayer de déchiffrer. Hein. Vas-y, Bob, peut-être. Reparle. Attends, je vais essayer de parler la même langue que lui. Parle correctement. Je sais faire les bruits d'animaux, regarde. Bon hiver. Ça va, mais wow, tu l'imites bien. Ouais, t'es vu. Il est où Grave, tiens ton accent. Mais je me rappelle plus de l'accent du perso. Ah, pardon. Bah, pardon. Allez, frangin, va où ? On va aller où ? On va aller où ? Non, c'est que tu veux que tirer. Va où, papa ? Ah, stylé ! Toi, tu veux tirer partout ? Les îles Marshall des États-Unis. Ils sont beaux. Vous pouvez présenter à Mathieu ? S'il vous plaît. Ouais, c'est qui tout cela là ? Ah oui ! On les a pas vus. Mais si, c'était tout. Au bout d'un moment, je me sens pas très à l'aise ici. On peut se casser, s'il vous plaît. Oui, moi j'aimerais des copains. On se rejoint où là ? Ouais, vas-y, vote ! J'arrive pas, malheureux. J'arrive pas, malheureux. J'arrive pas, ton papa. Non, pas ton papa. On va tous ça se tromper. Si on va chez moi la guinguette, tu vas voir Saloon. Hey, Yvonne. Hey. J'y arrive pas. Non. Hey, Proto Bonnet. Ah bah. T'as pas vendu. Bah oui. Heureusement, vous avez. Mais t'es sûr que j'arriverai à suivre ? Ah oui. Ouais, t'inquiète, tu vas réussir. On va. Hein ? On va où là, Tommy ? On va où là, Tommy Louis ? Je sais pas.
N'oublie pas, t'as 300, quoi, je sais pas. Ça sert à suivre, hein. Ah ouais? Vas-y, vas-y, je vais marcher à ton allure. Vous allez où, les gars? Strawberry, vous allez où? Ah, Strawberry, ouais, Strawberry. Allez, let's go, ouais, c'était let's go. Eh, les gars, faudrait vraiment se trouver un petit QG, un truc comme ça. En vrai, faudrait se trouver un... Bah si, tu as vendu tout à l'heure. J'ai vendu une fois, c'est ça, chat? Ah bah, j'ai 300$. Ça va, en vrai, j'ai 300$. Ah, j'en ai... Il est où ton big cheval? Il est mort! Ouais, mais si je soigne Silver, je suis même pas sûr de le récupérer, les gars. Vous avez entendu, il a dit, il y a un mec, il a soigné son cheval et... Ah ouais, oh, je les ai oubliés, les pauvres. Wow. Et si on irait pas avec... Ouais, il nous faudrait une tenue pour se reconnaître, ça par contre, c'est vrai. Faudrait qu'on se fasse un Discord tous ensemble aussi. Faudrait qu'on commence à faire un vrai bail, là. Cette partie de la map, elle est magnifique. C'est l'homme famille. Ah putain. Rien. Ma souris, elle bouge toute seule. Ah, le nain vert, c'est des verts. Non. Et quel boss, il est où? On va la guinguette. C'est des verts, c'est où? On va le tuer à la guinguette. Eh hey, mais là on va à la guinguette là, tout le monde va à la guinguette. Allez, c'est parti, on va boire un coup à la guinguette. Allez. Ah, je savais pas, frère. Oui, mon projet avec Calvet, c'est bien. Mais oui. Marcus, tu payes. Non. Oh, les gars, rendez-vous tous à... À la guinguette. C'est quoi la guinguette? Je sais pas, je suis. Hein. Les gars, eh hey. Mais pourquoi on va pas à la guinguette? Et c'est quoi la guinguette, putain? La guinguette, c'est notre restaurant à nous. Bah c'est où? Bah vas-y, on vous suit alors. C'est à Quaker Coop, à côté de Petit Floating. Vas-y, on vous suit. Allez, c'est loin, mais y'a Butcher, il nous attend. Butcher, il est où, Butcher? Butcher, il nous attend un Strawberry, du coup. Et... Tu l'as dit. Et... Ah ouais, merde. Bah c'est où la guinguette? Merde, c'est où? Mais ils l'ont dit à côté de Steve Landing. Vas-y, attends, viens, on y va et après on va voir Butcher. Merde, ah, c'est mieux d'aller voir Butcher puis y aller. Butcher, t'es sur le stream, mon frère. Oh, j'espère il est sur le stream, Butcher. Darkos. Yo, BG, comment vas-tu? Tu parles à moi? Ça va ou quoi, mon ref? Ça va. C'est Malcoyas, il est là ou pas Malcoyas? Vous le voyez dans le chat ou pas? Il s'appelle Malcoyas. Non, oh, merde. Je vais lui envoyer la pause, quand on est là-bas, je lui envoie la pause. Ah, c'est l'anglais. Mais t'as changé de tête. Il est sur le stream, bah c'est bon. T'as changé de tête, Charles. Par téléphone. Bah oui, c'est pour ça. Par contre, par télégramme. Eh, la première fois que je suis arrivé... Eh, mais ma souris, j'ai pas pris à bouger l'écran tout le temps. Mais... Je crois que j'ai pris un cheval raciste. Envoie-lui un mail. Mais en vrai, les gars, comment on pourrait faire les communications en RP Red Dead? En vrai, de vrai, vraie okay. Question. Eh, hey, Mouldi, casse pas le cheval. Hey, hey, Igor. Hey, Igor. Attends. Il avait une mouche, putain. Pigeon voyageur.
On va où là? On va à Strawberry? On va à leur truc là, je sais pas c'est où. Bah oui, c'est où là? Avancez le gars. Attends, il est Moulier, bien fermé. Et t'as abandonné Marcus. Marcus, il est là. Oui, mais il voulait monter sur ton cheval. Ouais, mais il peut pas. Vas-y, essaye, Marcus. Ah, justement, je vais tester. Non, je peux pas. Eh, t'as vu Faut rappeler le cabot. Oh, mais il est nul, mon âne. Faut lui mettre un cheval. Y'a pas des mecs recherchés, un truc comme ça là? Un petit RP chasseur de primes, ça peut être pas mal ça aussi. Ça pourrait être pas mal un petit RP chasseur de primes. J'ai renvoyé mon cheval parce qu'il y a trop de. Attends, je vais lui rendre un cabouret. Après, j'ai pas envie de perdre la tête. Alors, Mudji. Et qu'est-ce que t'as pensé de cette petite sortie là? Ça va, c'était cool pour une première fois. Mais ça serait bien de. Que. que tout le monde soit là. C'était de la grosse merde, ouais. Non, ça va, attends, c'est pas facile en mode cowboy, c'est vraiment pas facile, hein. Ouais, c'est vrai. Attends, ils sont où les autres là? Ils sont à la caguette. À la caguette? T'avais un truc de chasseur de primes? Wouah, c'est dur! Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est un restaurant, apparemment. Mais toi, tu veux pas aller changer, putain de merde? Mais pourquoi? Parce que regardez, les gars, je vous spoil, putain, regardez. Ouais. Dis, je te parle. Ah ouais, c'est vrai que t'aurais dû te changer, toi, depuis le temps, hein, on te l'a dit. Bah, non, mais j'ai enlevé mon chemise. Eh, c'est quoi cette putain de chemise de... Putain, on dirait un vendeur de canasson, merde. Eh, les gars, ils sont tous les autres là, ils sont à la guinguette. Mais c'est où la guinguette? Mais je sais pas moi, la guinguette c'est où? Je vais péter un câble. Oh, y a mon frère Butcher, il arrive dans 5 minutes, il est parti vite fait. Après les petits nains, tout ça, je sais pas moi. Bah, les petits nains ils sont. Qu'est-ce que vous comptez faire? Mais ils sont à la guinguette, Charles. Tiens, tu sais aussi la guinguette. Regardez les gars, je vous spoil, regardez. Je sais pas ce qu'ils me racontent, la guinguette. Les marchands les connaissent. Pas mal, la guinguette. Moi je vais mettre un masque. Regardez. Regardez, regardez le serveur. Bah, tu connais Bob. Regardez, je suis sur Wanted et en fait il y a des mecs recherchés tout le temps. Vous avez vu? Dans le bois. Il est vraiment Y a plein de mecs recherchés tout le temps. Oji, viens, on va parler, viens. Tu vois? Eh, c'est vraiment bizarre. Putain, mais pourquoi j'ai une démarche de PD là? Je comprends pas. Hey! Arrête de dire ce mot! Bah quoi? Hey! Mais j'ai rien contre les PD, mais pourquoi j'ai non, mais arrête d'abuser, frère! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, il casse les couilles. Eh, dis pas ce mot, c'est tout. Ah, ok, vas-y. Ouais. Ouais. Ouais, bah, du coup. Ok, qu'est-ce que t'en passes là? On devrait. Qu'est-ce que tu comptes faire là? Eh, faut trouver un QG, putain, ça me casse les couilles. Ouais, faut trouver un QG, mais le problème, trouver un QG. Tu sais, de nos jours là, tout le monde achète tout, ils vendent rien. Ouais, faudrait qu'on trouve un petit endroit où on peut, premièrement, implanter des tentes ou quoi que ce soit, tu vois. Ouais. Parce que tu peux acheter des tentes, c'est des grandes tentes, poser un feu, en gros, créer nous-mêmes notre QG, tu vois. Ouais. Et puis voilà. Mais attends, le premier mieux faire ça, c'est quand la prochaine tempête, y'a plus rien. Bah non. Hein? Bah si, si, ça part pas la tempête. Ah ouais? Ouais, en gros, c'est comme un feu de camp. Eh, hey, mais pourquoi pas faire ça en vrai? Bah ouais. Et en ça deux. Ça pourrait être pas mal. Mais on pourrait le faire où? Bah franchement, faudrait qu'on trouve un petit endroit. Où ça par exemple? Ah franchement, aucune idée. Alors. Salut. Hey, ouais, salut Willy. Ça va Willy? Ça va? Ouais, tranquille. Ça va bien? Ouais, ça va. Je me suis une petite folie, j'ai acheté quelques armes. Ouais, ça va, hein. Eh, hey, d'ailleurs, le Shire, c'est comment, Tommy? J'ai pas oublié, hein. Alors, attends. Ah, je suis un viewer de l'ombre. Est-ce que tu fumes des oranges? Attends, parce que j'ai un petit problème. Je rigole. Ah, de tirer! Putain!
Merde, merde, désolé. Les gars. Non, c'est par rapport à hier, ceux qui étaient là. Si, ceux qui étaient là hier, ils ont la ref. Ouais. Ceux qui étaient là hier, ils ont la ref. Le Shire, je t'ai pas promis, le Shire. Je t'ai promis un Shire. Ah, genre là, tu t'en souviens pas que tu m'as promis un Shire. Ouais, mais non, mais attends. Putain, mais c'était un échange d'un. C'était un échange d'un service, mais ce service là, tu peux pas nous le rendre, putain. Ah, ouais, mais c'est pas mal, ouais, mais attends, c'est quoi ce service de fou? Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, tu me donnes le chat. Soit regarde, c'est quoi, regarde, je suis un mec bien. Regarde. Ouais, je te passe mon breton, tu me passes ton pur sang. Mais t'es mort, t'as pété un plomb, toi. Attends, mais c'est quoi, tu veux m'escroquer, là? Mais non, mais n'importe quoi, parce que regarde, tu me donnes. Regarde, t'es un homme. Mais mon putain de... T'es un homme ou pas? Canasson, putain de pur sang, il vaut 5 000 $. Ton breton, il coûte 400 $. Il coûte 2 000 $ déjà, il est full custom. Mais alors, regarde. Quoi, regarde, attends, ouais. Laisse-moi terminer. Regarde, t'es un bonhomme. Toi, la DRA, écoute-moi, la DRA, faut que tu m'aides, quoi. Écoute, je vais te donner mon Shire et puis c'est tout. Vas-y, viens. Donne-lui ton Shire, bordel de merde. Mais attends, y'a un problème, là. Mon Shire, il est chargé, il faut que je le vide. Vas-y, on va le vider. Oh, il casse les couilles. Tu veux pas que je t'achète un Shire directement? Bah, vas-y. Ah. Non, mais après, je dois le tuner et tout, c'est le chiant. Bah, c'est pas mon problème, ça, c'est fou, toi. Ouais, mais non, tuner, mais lui. Non, mais moi, non, je t'ai promis. Bah, attends, moi, je t'ai promis un Shire, je t'ai pas promis mon Shire. Ah, il est loin. Alors là, t'es en train de parler en 1. Tu m'as promis ton Shire. Non, je t'ai promis c'est un fait, Shire. C'est fait. Willy, casse pas les couilles, s'il te plaît. Ah, Willy. Promis un Shire. Faut que tu lui donnes ton Shire. On est d'accord, oui. Oui, on est d'accord. Ah, on est d'accord. Mais le mec, il a 16 000 dollars sur son compte, il donne pas un. Et ouais. Il me donne des ordres. Va là-bas voir si j'y suis, s'il te plaît. Sinon, Willy, tu lui donnes 5 000 dollars et on en parle plus. Ah, ouais, attends, on m'appelle QT. Voilà, tu vois. Non. Et moi, Shire. Ouais, il court vite, ce gros-là. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je t'achète un Shire. C'est déjà pas mal. Achète-moi pur sang. Mais j'ai pas les moyens, putain. Jure, t'as pas les moyens, toi, t'as pas les moyens d'acheter un pur sang arabe. J'ai les moyens, mais je vais pas t'acheter un pur sang arabe, t'es connu, putain. Vas-y, s'il te plaît. Tu veux pas que je te tienne ta... Écoute, ouais. Tu m'achètes le pur sang arabe, je te jure de te rembourser, c'est bon. Mais j'ai pas, si je t'achète un pur sang arabe, j'ai plus rien, putain de merde. Mais non, mais c'est pas grave, je te donnerai 50 $ pour que tu survives. Mais il est malade, mais t'es complètement... Mais t'es malade ou quoi? Non mais Bulgi, je t'ai pas connu comme ça, mais là t'es en train de péter un plomb. Je t'achète un putain de Shire à 1 300 $ et puis c'est tout. Tommy, tu connais le petit chat dans Shrek quand il fait les œufs mignons? Shrek? Ah merde! C'est quoi ça? Shrek? Tu sais, les petits chats quand ils sont tout mignons, ils font des œufs mignons. Bah tiens! Quand ils veulent un truc mignon. Ah! Ok, d'accord, tu me prends en sentiment si je comprends bien. Non, pas du tout, tu vois. Ah mais attends, Bulgi, tu sais, on a beaucoup plus de projets que ça que d'acheter des canassons. S'en bat les couilles des canassons, putain de merde. Ouais mais toi tu m'avais promis un canasson, putain. Ouais mais arrête un peu tes conneries, on s'en fout, on t'a donné plus que ça qu'un canasson quand même. On s'en bat les couilles d'un canasson, mais je peux t'en donner un canasson. Ah, Toby, putain. C'est pas ce qui manque dans les cuillères des canassons. Excusez-moi de vous déranger, monsieur. Ouais l'ami. Vous avez pas vu des petits nains là? Des petits nains. Faire des quoi des petits nains? C'est raciste ça, monsieur. Tiens mon gars, c'est pas raciste monsieur, c'est pas raciste, c'est la vérité. Ils sont dis-moi qu'est-ce que tu cherches. Vous voulez des nains, pourquoi tu veux des nains? Ouais, ils m'ont braqué tout à l'heure alors que. D'accord, mais toi tu fais partie de quelle équipe toi? Moi j'ai pas d'équipe moi, c'est juste moi je les aime beaucoup les frères Deverino et ils m'ont braqué, ça m'a fait mal au cœur. Ils sont. Ah d'accord, c'est une histoire entre toi et eux, c'est ça? Oui. Mais exactement. Que ça se règle à la parole hein? Ah oui, non, là je suis allé voir à leur guinguette là de merde. C'est où la guinguette? Il y avait personne. Ah ouais? Bah s'ils sont pas arrivés ici, ils doivent être là-bas. C'est à côté de Blackwater, monsieur, si vous cherchez une guinguette. S'ils sont pas arrivés ici, tu vas voir là-bas. Voyez, on va aller faire une petite guinguette. Bah si vous voulez, c'est à côté de Blackwater, ils tiennent la fédération de la pêche, c'est pour ça. Et ouais, ces gens-là, ils sont pas reconnaissants, j'ai sauvé leur vie, enfin, un de leurs frères. C'est bon, arrête de faire le geste. Ils m'ont toujours pas payé. On va te niquer, on va te foutre dans l'eau. Ils doivent combien? Ils doivent toujours pas payé. Ils me doivent 1 000 $ en tout. Mais tu te fous de ma gueule ou quoi? 1 000 $? Ils ont même pas 1 000 $ ces mecs là de quoi tu parles? Si, ils ont 1 000 $. Ils ont même pas 1 000 $, qu'est-ce qu'ils vont donner 1 000 $? De gueule toi, vas-y, il faut 1 000 $. Allez, trace avant qu'on te ligote et qu'on te fasse. Excusez-moi monsieur, soyez pas aussi agressif. Ouais, du coup, ramenons nos moutons. Allez, vas-y. Chope-le! Putain, il arrive à se barrer. C'est pas grave, c'est pas grave. Malade, il y a un premier gars, les nains, il. Butcher, t'entends ça? Ouais, dis-moi. Moody veut que je lui achète un putain de pur sang arabe. Butcher, attends, Butcher.
Tu te rappelles quand il m'a dit je vais passer mon chayeur ou pas? Tu sais quoi, s'il y en a un qui peut te l'offrir ton pur sang arabe ici, c'est Willy, tu vois. Ouais, je sais, mais Willy, Willy, reviens, putain, on passe d'argent, putain, il part direct, le mec. Ah, il est toujours pareil, celui-là, je te jure. Le pire, tu sais ce qu'il a dit? Il a dit, les gars, je reviens. Ah, je te jure. Non, mais, Butcher, tu te rappelles qu'il me l'avait dit, on est d'accord. Ouais, non, t'inquiète, il va te le payer, Willy, c'est un super gars, t'inquiète pas, il est comme nous, c'est vraiment... Non, il parle de moi, il parle de moi. Tommy, qu'est-ce qu'il y a, Tommy? Ouais, dis-moi. Je lui ai promis de lui acheter un shire, pas de lui donner mon shire, on est d'accord. Non, t'as dit donner mon shire, t'as dit tu le veux, il sera pour toi. Ouais, mais... c'est vrai que j'avais entendu ça, Tommy. Ah, on est d'accord, Tommy. Ouais, mais attends, non, mais tranquille, Tommy, je pensais que t'étais un homme, tranquille, y'a rien, c'est pas grave. Mais ça revient même, je te propose de t'acheter un shire, là. Non, parce que là, si j'ai un shire, je dois attendre 24 heures. Et alors? Alors toi tu veux tout sur un plateau directement? Alors toi t'es le meilleur. T'as pas vu son ventre qui sort de son slip ou quoi, putain? Bien sûr qu'il veut tout et tout de suite. Non mais c'est pas grave, je pensais que t'étais un homme. C'est pas grave, t'inquiète, y'a rien. Ouais écoute, je suis pas un homme. Voilà. C'est pas grave. Ouais, je suis une salope. Attache-toi, on les attache, les salopes. Ouais, par contre, arrêtez de rigoler, c'est qui m'a traité de capin? Enfoiré. Non, ouais, c'est bon, t'inquiète. Non. J'aime bien braquer, mais je tire pas. Je suis salope, de toute façon, je tire pas. Ouais, du coup. Arrête, y'a un shire en vue là, y'a un shire. Du coup, les gars, faut se trouver un QG, les gars. Mais si on est là, mais c'est qui lui là? C'est Joseph, c'est mon cousin. C'est lui, mon cousin. Va te changer, c'est Bob. Et Bob, c'est un ami de la famille. Un ami de la famille. Ouais, Tommy, c'est ça ton problème, t'es pas assez, tu vois. Tu m'aurais passé le shire, t'aurais su c'est qui, tu vois. Mais les gars, présentez-les-moi, putain de merde, on fait connaissance, vous voyez. Ben Bob, le roi de la ville. Le roi de quoi? De la ville. Le roi de la ville. C'est Blackwater, bien sûr. Ah, j'ai jamais entendu parler de toi, mais c'est pas grave. Bientôt. T'es motivé, toi, ok. Pas de soucis. On retrouve les gars qui m'ont braqué avec... ils sont là-bas. Maxence, ton fils. C'est où ça? La belle bête. Ils sont là. Attends, je vais là-bas les gars. Ils sont là. C'est là-bas la guinguette, c'est là-bas. Bah allons-y, y'a là. T'es près de Blackwater. Non mais moi je vais monter derrière toi. Vas-y, attends. Merde, mon chevaux il est là-bas. C'est en bas de Blackwater. Ah, c'est en bas de Blackwater. Ouais, je connais. Que je viens. Ouais. Non, attends, on doit y aller à la guinguette. Vir, tu changeras à Blackwater. Ah, faut qu'on aille voir les nains à la guinguette. Bah oui, mais vu que c'est à côté de Blackwater, il ira changer à Blackwater, je l'aiderai. T'as dit quoi? Vu qu'on va à côté de Blackwater, bah lui, il ira à Blackwater. Monte. Oh. Non, je crois qu'il faut t'aller à l'écurie pour que j'aille derrière toi. C'est où la guinguette? Comment ça l'écurie? Prends, comme ça tu le mets. C'est le même. T'as changé de cabot, mon dieu. Allez. Je peux mettre ta cam plus haut. Water. Pourquoi? Oui. Ouais. Déjà, mon petit coco, tu vas vite baisser d'un ton, d'accord? Je baisse pas d'un ton, il y aura quoi? Attends, y'a une scène épique qui arrive. Attendez. Qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi, c'est un chien? On est combien ou quoi? Recule, attendez. C'est toi, tu fais quoi là, justement? Il est géré, frère! Y'a un souci? Ouais, je sors mes armes, qu'est-ce que tu vas faire? Lâche-moi. Quoi? Ça va, on est con là, messieurs? Et alors? On a rien à tirer. Croyez-moi, messieurs, ça va mal finir, hein. J'ai trop envie de tirer. Je vais tirer. Shérif, ça! Attendez, mais vous êtes shérif ou pas là? Je comprends pas le truc là. Qu'est-ce que quoi? Vous êtes shérif? Bon, on peut baisser nos armes, on fait quoi? Je sais pas, il se passe quoi? On peut les baisser, mais quand on vient parler aux gens, on vient pas parler de cette façon, tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai pas d'armes personnellement. C'est bon. Bon, c'est quoi ce bordel là? Quel bordel? Faut dire ça à votre shérif qui prend et qui ligote des mecs comme ça, sans parler. Quoi. C'est quoi ça, attendez?
Le shérif là-bas, le nerveux, là, il est moins. Je suis arrivé, il me dit descends ton cheval. Je lui dis, ouais, j'ai un peu mal au pied pour taquiner un petit peu. Il vient, il me truc. Il dit, non, tu vas voir. C'est quoi bon, ça écoutez, messieurs, on va tirer cette affaire au clair. C'est un malentendu, c'est un malentendu. Moi, je vous propose une chose. Dites à votre gars de ranger l'arme, il n'y a rien. Bien sûr. Je propose, tout le monde range ses armes. Il n'y aura pas d'effusion de sang. On va discuter tranquillement, d'accord? Ok. Non, on va là-bas. Si tu gifles le shérif, je me sub. 10 subs, je le gifle. C'est bon ou pas? 10 subs, je gifle le shérif. Allez, va ailleurs, va ailleurs. On se reverra, messieurs. Je m'appelle William Murphur, je veux savoir. Bon. Je m'appelle William Murphur. Très bien, William Murphur. Voilà. Non, on attaque pas les gens comme va ça. Voir, attends, ça j'ai pas trop les marshals et bon, bon, allez, messieurs. Non, je n'ai pas bon. Tiré, pas du tout. Je lui dis que le mon nom et mon prénom, je lui disais. Je non, non, William non. Allez, messieurs, s'il vous plaît, tout le monde retourne à ses occupations. Voilà. On était bien, monsieur le shérif. Voilà. Voilà.